Ouais, bonjour la famille, bonjour Club Gabonais. Bonjour la famille, bonjour Club Gabonais. Nous sommes au niveau du DL au Moulin Rouge, hein, comme vous voyez là. C'est mon vieux, le vieux Kébé. Ah, c'est la machine. Ah, c'est un doyen. Quand on parle de doyen, c'est un doyen. Ah, ce sont les doyens de Libreville, les doyens du Gabon. Ah, c'est le vieux Kébé. On est DL au Moulin Rouge, dans son quartier. On filme, il faut qu'on voit un peu la situation de la route. Nous sommes derrière le Moulin, comme vous voyez. Les populations sont toujours impatientes d'attendre la route qui va arriver. Et le panneau est arrivé déjà depuis pratiquement un mois, depuis une semaine, le panneau est arrivé. Mais les travaux n'ont pas encore commencé, comme vous voyez. Là, en ce moment, nous sommes sur la saison pluviale. Nous sommes en saison pluviale, comme vous voyez là. On attend la route, n'est pas encore arrivée. Nous sommes derrière le Moulin Rouge, comme vous voyez. La situation actuelle. Vous voyez, nous sommes au Moulin Rouge, comme vous voyez là. On est passé dans la route. Comme vous voyez. Ils sont armés, le plus grand coiffeur du quartier armé. Nous sommes au sujet de la route, comme vous voyez. Vous savez, c'est le classique. Ouais, bonjour mon grand frère. Bonjour, monsieur mon homonyme. Comment allez-vous? Ça va très bien, mon cher Kader. Bon, là, je suis venu ce matin parce que ça fait pratiquement une semaine que les mamans et les papas du quartier et les frères du quartier posent la question que nous avons fait beaucoup de vidéos pour interpeller les autorités. Au sujet de la route, ça fait 37 ans qu'on n'a pas eu la route. Et là, ça fait un mois que le problème est arrivé. Il n'y a pas encore de mouvement qui concerne la route. Qu'est-ce que vous pouvez dire en tant qu'habitant du quartier? Bon, effectivement, moi, tout simplement, ce que je peux dire aux habitants de notre quartier, c'est de faire confiance aux autorités compétentes, donc le CTRI, au président de la transition, de leur laisser leur accorder juste un peu de temps, mais qu'ils ne s'inquiètent pas, parce que tout va se faire et correctement, que les populations d'Akébévi, les populations de Dénel au Moulin Rouge ne s'inquiètent pas, la route passera d'ici 4 matins. D'accord, donc on savait dire on compte sur le CTRI. Effectivement, il faut faire pleinement confiance au CTRI, car le CTRI ne fait qu'un discours et une action. D'accord, voilà le mot parce que nous sommes en saison pluviale et que nous, vous savez que notre quartier a fait 37 ans sans la route, mais on est vraiment impatients, on est très contents de voir le panneau à la route, mais le moment c'est la boue qui a repris parce que nous sommes en saison de Effectivement, l'état de la route nous embête un peu à cause de la boue, mais qu'à cela ne tienne, ils vont rentrer d'ici 4 matins. Et puis, il faudrait que les gens comprennent aussi qu'il n'y a pas que Akébéville, il n'y a pas qu'Akébéville, il y a aussi beaucoup d'autres quartiers à rénover. Donc, que les gens ne s'inquiètent pas, que les populations ne s'inquiètent pas. Je leur donne ma parole et je leur demande simplement de faire confiance au CTRI, au président de la transition. Ah, d'accord. Moi, vous savez que moi, je suis aussi un adepte du CTRI, donc nous, on croit au CTRI. C'est nouveau Gabon, nous sommes dans le Moulin Rouge. Et comme vous voyez là, pour le moment, merci pour le reportage, monsieur. Vous n'avez pas de votre nom, monsieur. Mais c'est Aubin Moudouma. Aubin Moudouma. On connaît que c'est Aubin Moudouma, mon cher Kader. D'accord. Donc, pour le moment, nous sommes à votre aimable la route. Voici la situation actuellement qui est ici dans notre quartier. Donc, vous voyez comme vous voyez là. C'est arrivé depuis pratiquement un mois. Et nous sommes toujours impatients de recevoir la route par ici. Comme vous voyez, nous sommes derrière le Moulin Rouge. Attendons que la route arrive. Angela.
sommes derrière le moulin où j'ai toujours l'impression de la route. Nous attendons toujours la route, comme vous voyez là. Ici, le parc est arrivé pour orienter les populations, casser déjà tout ce qui était ici comme box, parce qu'ils disaient que la route devait arriver. Depuis pratiquement un mois et une semaine, il n'y a pas beaucoup de solutions pour les populations. Et comme je le disais toujours, la mairie, là, qui a venu enlever les véhicules. Ici, nous avons M. Massala Aruna, qui est un fils du quartier, qui attend un peu la route. Et M. Massala, ils ont mis des citoyens abonnés au chômage. Faut nous dire, ou bien on remet nos boxes. On va se démêler dans ça, parce qu'on ne comprend pas. D'accord, mais c'était à côté. Si ça venait casser, c'était pour une bonne cause, parce qu'on avait besoin mais de oui, la route. C'est pour la bonne cause, la route, oui, on veut la route, mais ne cassez pas les autres. D'autres personnes, elles ont perdu le boulot, d'autres travaillent, les petits commerces, ils font comment maintenant? Ils font comment? D'accord. Ça va aller en tout cas, c'était à l'heure de poser le panneau. Soyez patients. Jusqu'à quand? Les autres amis, non? On a cassé, dès la prison, c'est quand dès la prison, pavillon, ils ont mis sans casser, ils ont fait le béton sans casser, mais pourquoi ici? C'est pas pour mettre la distance de la route. Mais là-bas, il n'y a pas la distance de la route. C'est ça, c'est l'État qui décide, c'est pas toi qui décide. Un citoyen décide contre l'État. D'accord, il n'y a pas de souci. On est là, on attend, c'est terrible. Ils vont arriver très bientôt, ils seraient patients. Oui, Vunda. Bon, c'est comme vous voyez là, bon, je disais que les populations sont toujours inquiets, ils sont toujours patients. Pour la route, ils attendent la route, toujours comme vous voyez là. Là-bas, c'est la route, le moulin rouge. Là, c'est le moulin rouge là-bas. Et ici, c'est l'immeuble à Logominta, comme vous-même vous connaissez. Et c'est un carrefour. La rue de la joie, là, c'est le carrefour de la joie. Donc, jusqu'alors, je fais cette vidéo parce que je t'ai interpellé par les populations qui disaient qu'ils ont fait des vidéos pour interpeller les autorités. Aujourd'hui, pratiquement un mois, une semaine que le panneau est arrivé dans notre quartier, les travaux n'ont pas encore commencé et d'autres se plaignent du fait qu'ils étaient cassés pour qu'on puisse voir la distance de la route dans les règles de la route. Et jusqu'alors, ils disaient qu'ils ont perdu leur box. Donc, ils demandent à l'État, au moins, c'est terrible, de lancer les travaux. Eh bien, pourquoi ça sert à quoi qu'ils ont cassé les box? Le sujet n'est pas au niveau des box, c'est un citoyen gabonais qui s'exprime parce qu'il avait son business avec son frère. Mais c'est que nous, on attend vraiment sur le CTAU. Comme toujours dans le moulin rouge, ici, nous sommes chez Java Mogo, comme vous voyez. Nous sommes toujours là derrière le moulin rouge parce que nous signalons par rapport à la situation de la route. Donc, on se plaint du fait que ce soit un mois que le panneau est arrivé chez nous et là, le travail n'a pas encore commencé. Là, pourquoi on a fait cette vidéo pour interpeller les autorités. Vous voyez, Québec, tu vas dire au revoir quand même au président. Tu dis, mais ça, le président de la République, non? En tant qu'habitant du quartier, tu attends la route, non? C'est bon. Ah, la route arrive au Québec. Oligui. Président, c'est mon président. D'accord, Olivier, c'est président. Bon, nous sommes le vieux Québec. Bon, là, on termine au direct. Hein, c'était pour signaler aux autorités que les populations de la Québéville sont impatientes d'attendre la route. Là, c'est derrière le moulin rouge, comme vous voyez. Voilà la route, voici la réalité des jeunes derrière le moulin rouge. On est dans cette difficulté-là de la route. Nous attendons la route depuis longtemps. Ça fait 37 ans qu'on n'a pas eu la route derrière le moulin rouge. Donc, avec l'arrivée du CTAI, nous comptons sur le CTAI pour trouver des solutions pour notre quartier.
Le fait est dit. Bonjour la famille. On vous salue. Bon début de semaine, la famille. Et restons concentrés, comme vous voyez là. Ah, c'est la réalité de chez nous derrière le Moulin Rouge. Bon, je crois que c'est la fin de ce direct. Je vais terminer parce que c'est le message des populations, comme vous voyez, qui disait que nous avons interpellé les autorités et apparemment, on est arrivé, mais jusqu'alors, il n'y a pas encore une situation pour les habitants de Dieu au Moulin Rouge. Et ici, nous avons aussi un problème de monsieur le président. Si, parce que voici là où la personne comme Fino Hydro est venu s'arrêter au carrefour, là, ils se sont arrêtés pour mettre le dernier tuyau, le dernier conduit d'eau. Donc c'est ce carrefour là où on va s'arrêter. Donc le reste des maisons là, toutes ces maisons là, tout le bas là, il y a près de 5 000, à combien de familles qui vivent plus bas là-bas. Ils n'auront pas de l'eau dans les jours à venir. Parce que ici là aussi, ils vont s'être arrêtés pour les conduites d'eau. Donc tout le reste des maisons en bas là, ils n'auront pas d'eau. Parce que c'est là où le canal de l'eau, ici, là où on prend de l'eau, à ce niveau là, tout le reste des maisons n'aura pas l'eau. C'est ici qu'ils se sont arrêtés. Donc voilà pourquoi ils font cette vidéo ce matin. Et je remercie au chef de l'État, et bon début de semaine, la famille et au peuple gabonais. Soyons fiers d'être gabonais, nous devons être ensemble pour développer notre pays. Lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, on ne dit pas les gens dans la haine. On ne dit pas les gens dans la haine, il faudrait que nous soyons ensemble pour que tout puisse avancer dans notre pays. Donc pour ça, je remercie au chef de l'État, puisque tout le gaiement, de voir déjà déposer le panneau à cette sortie, et que cette route va être habitée. Ça fait 37 ans qu'on n'a plus jamais la route dans ce quartier. Et nos enfants aussi et les populations d'ici veulent aller à leur occupation dans les meilleures conditions comme dans les autres quartiers. Parce que les difficultés que nous courons ici, chez nous, à Kébéville. Et voilà pourquoi je fais cette vidéo ce matin pour interpeller le chef de l'État à la situation de la Kébéville. L'heure est critique parce que ces personnes âgées, ces personnes d'un certain âge qui ont du mal, parce que les véhicules, les taxis ont du mal à rentrer par ici. Donc lorsque vous prenez une course, il faut la penser à 2000 francs, 3000 francs. Pour rentrer dans le Moulin Rouge, soit Mambouet sans le centre-ville. Donc voici le quartier ici, c'est la rue de la Joie. La rue de la Joie qui est dans les conditions. Nous sommes en saison de pluie et là, ça va être compliqué pour nous. Donc je remercie le peuple gabonais et au revoir à la famille. C'est enfin notre histoire dans la félicité. Sur le nouveau Gabon, soyons un pour que notre pays soit développé. Plus de divisions. Laissez la fête des politiciens ailleurs.